On a fait une liste d'une dizaine de noms, et puis le seul qui était pas complètement cucu, c'était Taximia. Taximia, c'est né en 78, juste après le punk. Taximia, en fait, c'est né grâce au punk, parce que ça a été... Je veux dire, on était quand même... Au début, on était 5, même 6 au tout début, tu vois. Et on était 6 personnes, 6 individus complètement différents. Et la seule chose qui a pu nous réunir, c'était le punk. Parce que c'était la première chose assez forte qui arrivait dans notre vie. Parce qu'on commençait à peine à vivre. Et parce qu'on avait accumulé tellement d'ennuis, qu'il n'y avait rien d'autre. Sauf une chose, d'un seul coup, qui s'allumait comme un néon. Et c'était punk. Et il n'y avait plus que ça. Et c'était la seule chose qui nous permettait de vivre, qui nous donnait envie de vivre. Je me souviens plus très bien en plus pourquoi j'ai acheté cette guitare. C'est parce que je suis passé un jour aux Galeries Lafayette et j'ai vu une guitare et ça me plaisait vraiment. Je voulais apprendre la guitare. Et puis voilà, et après, en l'espace de 2 jours, je me suis dit je vais jouer dans un groupe de rock. Ça ne m'intéressait pas de devenir un instrumentiste. Ce qui m'intéressait, c'était de composer, c'est de pouvoir m'exprimer. J'ai peur de perdre mon âme. La joie. Rencontrer un ami, mais jamais trop longtemps. La tristesse. C'est un livre de Mishima. La séduction. Attends, la séduction, j'ai un truc. Il me faut une cigarette. Tiens. La séduction, c'est allumer une cigarette sans quitter la fille des yeux. La honte. La honte ? Je n'ai jamais honte de moi. L'étonnement. L'étonnement, c'est lire le journal et apprendre que je suis mort. La provocation. C'est une croix gammée sur un fond rouge. Le triomphe, c'est gagner par KO sur un ring. Bon. La méchanceté. La méchanceté, je suis pas méchant. La bêtise. J'imite pas la bêtise. La haine. La haine ? La haine donne toujours des forces. Le mépris. Le mépris, c'est le film de Jean-Luc Godard. La timidité. Vaincre la timidité, voilà mon courage. L'angoisse. De passer pour ce que je ne suis pas. L'amour. L'amour, j'aimerais tellement le rencontrer. Ouais, moi, je suis devenu musicien le jour où j'ai rencontré Miroès. C'était au lycée, et puis... Il m'a dit qu'il avait fait un groupe et qu'il cherchait un chanteur. Alors j'ai dit, ouais, j'en connais un, il qui. J'ai été pris de court, alors j'ai dit moi. Et puis après, on a répété. Et il se trouve que j'étais celui qui chantait le plus mal, mais au moins je bougeais un peu, ou je sais pas vraiment. Et puis bon, j'avais les cheveux plus courts que les autres. Persévérant parce que nous n'avons rien d'autre à faire et rien à perdre. Ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Bob Dylan. C'est quand tu n'as rien à perdre. Et donc, la persévérance, c'est ça. C'est en fait quand tu n'as rien à perdre, tu ne peux que gagner. À 18 ans, de toute façon, tout ce que tu lis, tu dois le voler. Et puis, ouais, tu dois lire La Trappure, et puis tu dois lire Do It de Jerry Rubin. Tu dois écouter du rock, tu dois écouter Elvis et Gene Vincent. Et puis, je sais pas, tu dois écouter Dylan, et tu dois lire Dylan, et tu dois lire Lou Reed, et puis... Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Mama put a gun in the ground. I can't shoot him anymore. That long black cloud is coming down. Here I'm knocking on heaven's door.
knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Elle est en toi, elle est pas dans les choses. Je verrais une merde par terre et je me dirais que c'est beau. Et à la limite, je pourrais me mettre à genoux et passer une heure devant cette merde et me dire putain, c'est génial et ça sent bon et c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. La différence, elle est dans ton cœur. Pour les Français, il y a l'intellect d'un côté, il y a le corps de l'autre. Au Japon, il n'y a pas l'intellect, d'abord, il y a l'esprit, il y a le corps et tout ça va ensemble complètement. Il n'y a pas cette espèce de différence qu'on fait en France. Je veux dire, en France, à partir du moment où un mec est musclé, ou, je veux dire, en Occident, tu te prends carrément pour un con, quoi. Et au Japon, il n'y a pas ça, quoi. Des sportifs en France et en Occident, c'est complètement con. Parce que dès que t'es môme, t'as un choix à faire, c'est où tu cultives ton corps, où tu cultives ton esprit. Dire, pour tous les autres groupes et pour tous les gens qui s'intéressent au Japon actuellement, ce qui est à la mode, c'est les geishas et nous, on en a rien à foutre. C'est vraiment côté samouraï, bushi qui nous intéresse. Je veux dire, on est tellement. Enfin, moi, je baigne tellement là-dedans que c'est. Évidemment, ça se répercute sur ce que je fais, quoi. C'est évident. C'est encore les hommes. Ouais, c'est complètement un monde d'hommes, complètement un monde de guerriers. La femme n'a pas du tout accès à ça. Jamais on répète uniquement qu'on doit enregistrer 15 jours avant, c'est tout. Sans ça, Amy, on reste compose de son côté, moi aussi, et puis on se retrouve. On essaie de mettre nos idées en commun. Le travail de composition est assez simple. Nous n'avons pas une technique très élaborée. Moi, je travaille d'abord de mon côté les chansons, c'est-à-dire des thèmes musicaux, avec plutôt des accords. Et on se réunit dans une chambre, assez rarement d'ailleurs. Nous ne sommes pas des fous des répétitions, d'ailleurs on répète le moins possible. Et je lui propose quelques thèmes musicaux et lui a déjà des textes d'avance ou de retard, je ne sais pas. Parce que souvent il écrit ses textes au dernier moment ou il les modifie juste avant de les chanter. Nous affinons nos morceaux en parlant, en discutant au téléphone de littérature, je ne sais pas, d'une fille dans la rue, d'un film. Je crois que plutôt nous affinons notre vie et nos rapports. Et c'est ça notre méthode de composer. Le même morceau sur scène, en studio ou avant à l'élaboration, en répétition, c'est trois morceaux différents. C'est trois moments de notre vie complètement différents et donc il n'y a rien de commun. D'abord on a une idée complètement vague et puis on joue avec comme on peut jouer avec un jouet ou avec un petit chat. Et puis ça prend une forme bien souvent qui n'est pas du tout celle qu'on attendait. Et puis on se retrouve en studio toujours trop vite et en fait on se retrouve avec un deuxième morceau bien souvent. Et puis sur scène on a tellement évolué qu'on joue plus le même morceau. Moi je parle d'autre chose mais on joue d'une autre façon parce qu'on a autre chose dans notre tête. Quelque chose lentement coule dans mes veines, ce n'est pas du sang. Quelque chose doucement tombe sur le trottoir, ce n'est pas la pluie. Tous les matins quand le jour se lève, je suis dans tes bras, je regarde la rue. Tous ces gens marchent dans la neige, sans savoir pourtant qu'elle cache un trésor. Seul sous la neige, nous n'aurons plus jamais froid. Ferme les yeux, le ciel s'ouvrira. Quelque chose, lentement, coule dans mes veines. On lève la voix.
J'ai toujours la voix, l'ancienne voix, moi. J'entends toujours l'ancienne voix. Quelque chose lentement. Quelque chose lentement coule dans. Je bouge pas. Nous sommes seuls au monde à savoir que le paradis est si près de nous. Seul sous la neige, nous n'aurons plus jamais froid. Ferme les yeux, le ciel s'ouvrira. Alors écoute-moi, je dirai n'importe quoi. En fait, je dois tout au rock. Je veux dire, si j'ai découvert, si j'ai lu Jerry Robin, c'est parce que j'ai lu un article de Patrick Hudlin qui parlait de Jerry Robin. Si je me suis intéressé à tout un mouvement de pensée underground des années 60 aux États-Unis, c'est par le rock. Et ça peut sembler complètement idiot et con, mais si je lis Malraux, c'est grâce au rock. Si un jour j'ai accepté de voir un film de Jean-Luc Godard au cinéma, c'est parce que Patti Smith avait dit que c'était génial. Le jour où je me réveillerai et je serai plus prêt à mourir pour une cause, quelle qu'elle soit, elle peut changer tous les jours, ça n'a aucune importance. Mais le jour où je me dirai pourquoi je suis prêt à mourir ce matin, hein, pour rien, alors ce jour-là, je mourrai vraiment et d'une mort lâche et conne, parce que ce jour-là, j'aurai plus rien à faire, plus rien à vivre réellement. Le punk, c'était enfin la première chose pour laquelle on était prêt à mourir. Tant qu'en ce monde vivrait, douleur ne fera que croître. C'était mort en 56. Une encre tatouée sur la poitrine juste pour marquer sa non-appartenance à la Terre. C'était mort en 77, comme nos illusions, comme nos rêves. Depuis, nous avions grandi, et tous, ils nous accusaient de trahison. Ils croyaient ne pas avoir changé, pas changé de vêtements, pas changé d'idées. Ils écoutaient toujours les mêmes disques, ils ne lisaient toujours pas les mêmes livres. Ça devenait vraiment une affaire de vieux. Et ils ne comprenaient pas, ils voulaient rester jeunes, alors que notre gloire était dans le reste, cicatrice. Réveil douloureux, nos deux corps s'effleurent comme des lames de rasoir. Je veux dire, elles peuvent se briser facilement. Alors voilà, il ne restait plus qu'une chose, déchirer nos vêtements noirs et kaki et pleurer. Seul le ridicule nous ouvrirait les portes du ciel. Ouvertes encore avec nos couteaux et nos corps, toujours nos corps. Je crois que Shiran pensait comme nous, mais peut-être que Ruby aussi. Nous sommes nés quand Ian Curtis s'est pendu, ou quand Rimbaud s'est fait maître pour la première fois, ou le 24 février 1933. Il nous a dit qu'il fallait supporter l'insupportable, et nous avons mal compris. Nous avons juste concilié l'inconciliable. Speed et innocence, dope et karaté. Mon frère est mort, mais il revient souvent me parler. Il me dit que nous sommes purs, punk, vivants, guerriers. J'ai franchi l'autre rive du fleuve. Aide-moi à regagner ton bar. Ce sera dur, frangin. Tu offres de résistance. Ce qui se passe dans la tête de Daniel Dark quand il se tranche les veines sur scène, je sais pas. Ne crains pas de me faire mal, vas-y. Sois toi-même. Je suis enfin moi-même. Je me disais, est-ce que ça va vraiment prendre dans le sens où est-ce qu'au moins il va y avoir une réaction? Parce que je pensais pas. Parce qu'en fait, un mec se serait ouvert les veines devant moi, ça m'aurait fait marrer et ça serait arrêté là. Une dangereuse mélancolie me pousse vers toi quand mes batailles me dressent l'un contre l'autre. Lorsque Daniel s'est tranché les veines sur scène, moi en tout cas, j'essayais d'éviter de me faire asperger par son sang. Et ça, c'est ce qui se passait dans ma tête. Mais j'ai été aspergé quand même. Me sépare de toi. Du rouge, du sang rouge sur une chemise rouge. Tais-toi. Ne serait-il pas pire de se fondre dans une trop parfaite harmonie? Elle savait qu'il
savent qu'elles devaient la détruire, comme on détruit tous les monstres. Elles savent qu'il lui faudrait prouver que le bien pouvait gagner. L'infâme est à la t'attendra comme une flèche rouge. Rien qu'une autre femme pour que ses yeux se ferment. Rien qu'une autre femme pour briser la souffrance. Elle savait qu'elle devait la réduire comme une petite tour et monstre. Elle savait qu'il lui faudrait prouver que le bien pouvait gagner. C'est intéressant à un certain âge parce que c'est un champ d'activité complètement fécond, parce que tu peux faire plein de choses et que toutes ces choses ne sont pas forcément dans ce qu'on appelle la loi, et que tu peux casser la gueule à un mec et partir en courant, tu peux lui tirer tout ce qu'il a et partir. Et la rue, c'est bien parce que tout est réellement permis et c'est à toi de voir ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable. Et si dans la rue, tu essaies de faire une chose dont tu es complètement incapable, tu te ramasses. C'est complètement sans appel. Je veux dire, si tu veux y aller, faut que t'assures et puis c'est tout. Mais cela dit, bon, quand t'as connu la rue 2 ans, t'as vite fait le tour, quoi. La rue, c'est marrant, mais faut en sortir un moment. En fait, je pense pas que les livres aient une grande importance sur ce que je fais. Je veux dire, c'est les auteurs avant tout. Et, je sais pas, je crois que Rimbaud est plus important parce qu'il était pédé que parce qu'il a écrit des poèmes. Je crois que Burroughs, c'est plus important parce que c'est un junk que parce que c'est un écrivain. Je crois que ça s'arrête absolument à tout. Mishima aurait pu écrire tout ce qu'il a écrit. S'il s'était pas suicidé, ça serait juste un écrivain de merde comme un autre. Je crois que c'est ça avant tout qui change tout. Je crois qu'il y a ceux qui vivent et puis ceux qui écrivent. Et ceux qui écrivent, j'en ai rien à foutre en fait. Avoir un appartement,
c'est primordial, parce qu'un appartement, c'est un lieu sain, en fait. C'est-à-dire, si tu te sens pas bien dans ton appartement, alors tu te sentiras jamais bien nulle part. Et pour avoir un appartement, pour un musicien, c'est assez dur, dans la mesure où tu as pas de cachet fixe. Réfugié politique, apatride, c'est-à-dire son pays en fait. Et ça donne, malgré que ce soit sur le papier, en fait c'est tout à fait théorique, ça donne un sentiment d'aparté. J'ai de vagues souvenirs fugitifs d'Afghanistan. C'est assez drôle d'ailleurs comme sensation, mais parce que en plus à l'époque, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je parlais l'afghan. Et j'ai oublié. J'éprouve une certaine fierté que mon peuple se bat en Afghanistan. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de retrouver tes racines. J'ai pas de notion culturelle venant d'Afghanistan, en fait. Disons que j'essaie de m'en réinventer. Ce qui compte, c'est d'agir en fonction de ta propre morale. Et moi, jusqu'à présent, dans ma vie, je pense que j'ai agi purement. Un trésor si pur, si brillant, de voir les rendre et pour toujours aveugles. Des rubis, des saphirs, de l'or, juste là pour nous, viens emportons-les. Des diamants qu'un peu chaque jour, il nous faut briser pour ne pas tomber. Nous sommes seuls au monde. À savoir que le paradis est si près de nous. Le métier de musicien, c'est le métier de poète. Ça veut dire ouvrir tes yeux quand tu marches dans la rue. Ça veut dire entendre quand les enfants pleurent. Plus jamais voir. Ferme les yeux. Le ciel s'ouvrira. Alors écoute-moi. N'importe quoi. Souviens-toi, il y a si longtemps, quand dans nos veines ne coulait que du sang. Sur le trottoir, doucement, la neige tombait, nous ne comprenions rien. Je voudrais chanter quelque chose, si beau mon amour, que tu pleurerais. Ne m'en veux pas, pourtant mon amour, ce qui était beau est là, sous la neige. La joie, c'est quand je trouve une paire de chaussettes propres dans mon armoire. La tristesse. Bon, la tristesse, c'est ma meilleure amie qui disparaît parce qu'elle me doit 50 sacs. La colère. La colère, je sais pas, ça me fatigue. La séduction. La séduction, garder le même t-shirt 15 jours sans sentir mauvais. La honte. La honte, c'est garder le même t-shirt 15 jours en sentant mauvais. L'étonnement. L'étonnement, c'est, je sais pas, lire le journal et apprendre que Miros est mort. Le rire. Daniel Cohn-Bendit. Les pleurs. Alès d'Éden. Ouais. Le triomphe. Marvin Hagler. La méchanceté. Trois flics à la station Stalingrad à minuit, un mardi en plein hiver. Okay. La timidité. Apercevoir Lio dans la rue et pas oser lui dire un mot. Ouais. L'angoisse.
Ok. Mourir dans les chiottes d'un café, oui, de la rue de Belleville. La peur. Devenir goy. La grandiloquence. Un discours du Tché. L'amour. Ma maman, mon papa, Sylvie, mon Dieu. Le rock, c'est une paire de lunettes magiques par laquelle on voit tout.